Juin. Il a ses idées qui sont parfois un peu folles, mais quand elles marchent, c'est waouh. Je vais arrêter de faire des blagues. Il est aussi connu comme l'homme aux casquettes. On en a plusieurs dans la communauté, mais Medjagov, c'est l'homme aux casquettes, avec un C majuscule. Alors, je ne sais pas qui tu es, si... Srizork. Voilà, donc, je pense qu'on se connaît très bien pour faire ce genre de choses. Champ de bataille de fait, saute. Non, j'ai pas perdu de pari. Des sticks qui sautent. C'est volontaire. Et on part sur Yoshi's Story, donc Fox, Captain Falcon, Meljin contre Jagov. Jakov. Voilà. C'est Jakov contre Meljin. Et Meljin, Jagov attaque direct, hein. Il prend des trades, il prend des stocks, allez, arrache de là. Jagov prend une petite stock en 10 secondes. Quand je vous disais que de toute façon... Non, je vais arrêter cette blague là, c'est mieux. De toute façon, il se passe tellement de choses à l'écran que ça sert à rien de combler vocalement. Meljin qui se laisse pas faire, qui dit ok, tu m'as pris une stock, bah écoute, c'est à mon tour maintenant. Sauf que bon, voilà, c'est parfois un peu dur de concrétiser quoi. Ah, je crois savoir ce que Jagov a tenté là, mais qu'il l'a raté malheureusement. On en parlera après s'il y arrive. Suite 1, il donne 3 à bas pourcentage avec Val. Oh, il était tellement plein de grâce ce nid. Ce saut arrière, il fait la danseuse, il écarte les jambes et. Ah. Je ne sais plus quoi dire. Ouais, écoutez, je pense que Meljin a été tellement. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Metal c'est ça. Fox nous souffle que. Voilà. Oh, ça commence un double shine vite fait, petite taunt. Allez, à l'âge de là. Il est prêt pour le comeback. Oh, non, mais ça commence, c'est parti, les banderies. Mais... Ça taunt dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'on voit? En temps normal, il essaie de jouer plutôt carré, mais bon, quand on vient le chercher sur le champ du stylisme, il a quand même envie de répondre présent, quoi. Alors, c'est vrai que face à Jagov, il est un petit peu contre le maître de la discipline, en tout cas chez les Français. Mais il a pas envie de s'avouer vaincu, et s'il faut se suicider pour imposer son style, et ben écoutez, c'est qu'une stock après tout quoi. Qu'est-ce qu'une stock dans le gros continuum de la vie. Jagov qui est très proche. Je pose proche. La question à Tech qui se retrouve paralysé avec sa bouteille d'eau ouverte. Oh, le stomp sur cette tech roll, parfait. Le petit neutral plus facile à couvrir qu'avec un nid où il faut être vraiment précis, au moins le neutral il pouvait l'avoir. Randall qui vient faire le matelas pour Jagov. Oh. Et Meljin qui sort. Wall jump back air comme on aime. Voilà, donc ça a été rapide. Meljin qui boit. Mais ce n'est que de l'eau. Il noie sa défaite dans l'eau. J'espère qu'il va pas nous faire un coma hydraulique. Nous allons donc attaquer le deuxième match. Meljin a assez perdu, perplexe. Je le sens perplexe. Pokémon Stadium. Ah, Pokémon Stadium. Ah. Voilà, c'était sûrement le match le plus intense de l'histoire de Melee. Et c'est Meljin qui... Non, je plaisante. Bon, d'accord, c'est gentiment bon, ont... stage, hein, ils, ça arrive. Ils ont décidé de partir sur... Ils ont décidé de partir sur un BO 99. Et finalement, comme ils sont bien couillons, ils reprennent sur Pokémon Stadium. Mais, stage départ neutre. En effet, en fonction de votre port manette, vous n'apparaissez pas au même endroit. Et en fonction de certaines situations, vous pouvez prendre très cher dès que le match commence sans aucune raison. C'est vrai que tu peux parler en connaisseur du... C'était pas en rapport avec le stage, j'ai fait un Webland raté. Mais bon. En effet, je parle en connaisseur. Oui, non, la Foster Defense Ford qui a essayé de bon, qui a une petite critique... sur le Neutral Star, si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est que vous devez revoir vos classiques et vous devez aller sur Reddit plus souvent. Non, je plaisante, je ne conseillerais ça à personne. Oh là 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 là, Jagov qui enchaîne les stomps. Jagov qui se fait arrêter, Meljin qui revient vers le centre du stage, il attend, prend des distances, se met dans le coin, se fait graber et ça s'arrête là. Un petit down tilt. Oh, bah on se l'a penché derrière, ça ne fait rien. Stop. Meljin forcé double sauter, hein. Et. Hop, hop, hop. Oh, la petite magie survivant. Ça feinte la reco. Il revient bien en cloche. Et non, je vise l'edge. Et non, je le savais.
La roulade ratée de Jagoff, je la connais cette roulade ratée. Je la connais, hein. On part des 7 de tournoi là-dessus, moi je vous le dis, hein. Ça enchaîne bien, allez. Pas de tech, je suis sur toi. Une tech, je danse dans les airs, je casse un rond, tu vas atterrir et te défoncer. Into bien côté. Une classique Jagoff. Joli grab, très joli grab. Bam! Down throw, mauvaise DI, le genou. Serait-ce ce qu'on appelle la drop zone. C'est la drop zone. C'est la drop zone. Prend la stock de Jagoff avec un très joli monopole. Mais Jagoff ne veut pas se laisser faire. Et il se jette à ses pieds avec cet avant-b complètement dégoûtant. Un upper qui ne passe pas, un up smash qui ne passe pas. Et un retour sur le terrain qui a du mal à passer. Très propre, très 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 propre. Un petit air comme il faut, t'as beau taker de toute façon. Il fait ça dans ses courbes, dans ses sauts, tout en couvrant une large zone et en posant le coup fatal au Wellfox. Et il revient pépère. C'est un match-up compliqué, mine de rien. Même pour Fox. Là, ça a pas l'air, hein. Le ledge guard, il a l'air un peu débile. Mais bon. Une dash dance un peu propre, proche de Jagoff. C'est la punition de Meljin. Meljin qui prend le bord. Et ça va être la stock, je pense. Et c'est la stock, one stock match. Jagoff a une stock de mettre Meljin en loser. Il couvre bien. Jagoff qui va aller chercher le Fox hein, dès qu'il voit un saut. Il va se mettre en dessous et bien couvrir. Meljin qui le coince sur le bord, mais joli roulade. Des petits multi-shine. Ça c'est propre et hop là, oh ça tente. Là, le nick qui aurait pu passer. Ça voilà, tente du style. De la flashiness de Jagoff, c'était de ça qu'on parlait. Wall jump into knee. Non mais c'est down Jagoff. C'est down. Le mec n'en peut plus, le mec style sur un arbre. Auprès de son arbre, il vivait heureux. Le neutral. Oh le petit tilt tenté en fouine hein, si jamais il n'avait plus le deuxième saut. Et là Meljin contre-attaque immédiatement. Ah non, quel dommage. Ouais non, c'est une phase qui aurait pu se terminer sur la prise de match quoi. Sur le poignet. Toujours vivant. Ah sur un chaîne qui n'est pas sorti. À mon avis c'est la fin. Allez la balayette. Tu sors. Meljin se prend du coup 2-0, Jagoff avance jusqu'en semi.